Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Sofiane, bonsoir. Adjam Saoudi, bonsoir, bonsoir à tous. La zone franche entre Tindouf et la Mauritanie, d'importance pour le renforcement des relations bilatérales et la coopération. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lui a même consacré une réunion de travail. D'autres projets sont inscrits dans le cadre des liens forts entre les deux pays. Les médias africains face aux défis du continent. La Radio Nationale et l'École supérieure de journalisme ont organisé une conférence avec un expert africain en communication. L'impérative mobilisation des médias souligné. Plusieurs dossiers à l'ordre du jour de la réunion ce mercredi du gouvernement, notamment la sécurité et prévention routière, objet d'un avant-projet de loi. La sécurité des installations gazières, une priorité en Algérie. Parmi les menaces cybernétiques, les infrastructures de Insalah forment pour lutter contre tous ces risques. L'autorité de régulation des hydrocarbures s'attelle pour sa part à mettre à niveau les équipements du pays. Au lendemain du veto américain de la résolution algérienne sur un cessez-le-feu à Gaza, les réactions se poursuivent. L'Algérie reste déterminée à poursuivre ses démarches. Le mouvement de résistance palestinien Hamas dénonce la privation des Palestiniens d'alimentation. Des appels sont lancés pour faire entrer les aides. Le Hamas toujours au Caire pour des négociations. Et puis nous ferons un tour au Salon international du tourisme d'Oran, Adelaar, qui renforce son potentiel touristique, notamment en cette saison saharienne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, ces zones franches, en le disant en titre avec les pays voisins, à commencer par la Mauritanie, comme d'ailleurs annoncé par le président de la République. C'était, rappelez-vous, lors de son allocution devant ses pairs du NEPAD, le mécanisme africain d'évaluation par ses pairs. Hier encore, Abdelmadjid Tebboune a présidé une réunion de travail consacrée aux zones franches, notamment celles entre Tindouf et la Mauritanie, les deux pays qui consolideront ainsi leur coopération, notamment économique, comme le relève l'économiste Mahfoud Kaoubi. Il en parle à Sofia Boukalcha. Un rappel des autorités pour que cette zone franche ne soit pas uniquement un texte juridique, mais beaucoup plus une réalité du terrain. La coopération avec la Mauritanie, qui est la porte d'entrée vers les marchés de l'Afrique de l'Ouest, constitue un objectif stratégique. Des institutions financières ont été créées. La zone franche avec le Niger va consolider des relations qui ont déjà existé dans le domaine de l'agriculture principalement, mais pas que, dans la mesure où les autres activités devraient s'implanter rapidement. C'est la même chose pour le Mali, deux pays du Sahel avec lesquels des objectifs importants ont été tracés en termes de développement et de coopération économique. En plus de la zone franche entre l'Algérie et la Mauritanie, la route Tindouf-Zouilat, un autre projet de coopération bilatérale à portée régionale, continentale et même internationale, de par l'accès des marchandises algériennes vers les différents marchés mauritaniens et africains, des projets soulignés par Ahmed de Mohamed Al-Hammam. Il est journaliste mauritanien contacté par Linda Hamed. Concernant l'inauguration du passage frontalier mauritano-algérien et la zone de libre-échange, s'ajoute à cela la pose de la première pierre pour le début des travaux de la route Tindouf-Zouerat. Ce sont des projets très importants qui reflètent la coopération entre les deux pays. Bénéfique pour toute la région car ça va renforcer les échanges économiques. C'est aussi une occasion pour l'Algérie de pénétrer les marchés africains. La route va également mettre fin à l'isolement de plusieurs villes. Cela ne peut que renforcer nos relations. Les médias africains, justement, eux, ont un rôle à jouer face aux différents défis du continent, notamment sécuritaires ou encore de développement, comme on l'évoquait à l'instant. La Radio Nationale, en collaboration avec l'École supérieure de journalisme, a organisé aujourd'hui une conférence sur le sujet. Makhtar Sila, journaliste africain en communication, a fait part de son expérience et de ses idées. Ismaël Mimouni. Le développement en Afrique ne pourrait être en faveur des peuples du continent africain que par la valorisation du capital humain et la valorisation des richesses naturelles. L'exploitation et la transformation des richesses de l'Afrique devront se faire par des mains africaines. L'Algérie, un exemple à suivre, un modèle de réussite en Afrique. Docteur Makhtar Sila, spécialiste de la communication et des médias. L'Afrique dispose du potentiel naturel le plus important. Quand vous parlez d'or, vous parlez de pétrole, vous parlez de diamants, vous parlez de cobalt, l'Afrique est le continent de toutes les richesses. Et le paradoxe, c'est comment un continent qui a toutes ses facultés, qui a toutes ses ressources naturelles, en est réduit aujourd'hui.
dans les systèmes internationaux, dans les médias internationaux, à cette sorte de portion congrue en disant l'Afrique sont les misères, sont les guerres, c'est la pauvreté. Comment nous n'arrivons pas à capitaliser à partir de nos richesses et que l'Afrique également est cette sorte d'un peu de pourvoyeuse de richesses pour d'autres continents. Les médias africains, et par la bonne maîtrise de l'information et par la formation, on continue notre issue pour véhiculer l'image réelle de l'Afrique. Il nous faut absolument nous réapproprier notre propre narratif, être les créateurs de notre propre histoire qui s'écrit au quotidien, en montrant nos potentialités. Et cela a des effets. Les modes de domination traditionnels qui passaient par les armes passent aujourd'hui par une arme qui est plus insidieuse. Et c'est là le véritable terrorisme. Il est culturel, il est psychologique, il est médiatique. Définir les ambitions et les objectifs solides et clairs relève le véritable défi africain. Dans l'actualité, ce mercredi, la réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Nadel Arbaoui à l'ordre du jour, notamment le suivi des instructions présidentielles sur la numérisation du pays et des différents secteurs, notamment dans l'urbanisme cette fois-ci, mais aussi sur l'application des lois sur l'exercice syndical. Également examiné par le gouvernement, l'avant-projet de circulation routière, un texte qui détermine les règles de la circulation routière et les axes de la stratégie nationale en matière de prévention des accidents de la route. La protection civile, partie prenante, impliquée, elle intervient sur le terrain, elle communique souvent le bilan et donne des conseils. On écoute justement à ce propos le lieutenant Nate Braham du bureau d'information de la protection civile à la direction générale précisément. Il est joint par Sabine Lassen. Nos secours ont enregistré 139 interventions suite à plusieurs accidents de la circulation à travers plusieurs wilayas du territoire national qui ont causé 3 personnes décédées et 136 autres personnes blessées. La protection civile dans la sensibilisation pour puisse convaincre les gens et les conducteurs pour respecter le code de la route et d'être vigilants et de diminuer la vitesse et de respecter les règles de sécurité en général. 8 jours nous séparent du sommet des dirigeants des pays exportateurs de gaz à Alger le 29 février, précisément jusqu'au 2 mars. Un rendez-vous qui permettra le débat et la concertation sur les questions gazières dans un contexte mondial particulier. Parmi les questions, la sécurisation des installations, tant matérielles que cybernétiques, une sécurité d'importance pour l'Algérie qui mise sur la numérisation de ses infrastructures. Leur protection donc une priorité, la formation un passage obligé, comme le relève Samia Aloun dans ce reportage réalisé à Insala. Un écosystème virtuel aux avantages réels qui permet une synergie, une coordination, une traçabilité à même d'éviter toute anomalie, tout incident lors du processus de production ou de traitement de gaz. Mohamed Sharef, président de Insala Gaz. Son attaque a mis tous les moyens, la même chose pour Insala Gaz, pour protéger les installations, les personnes, l'environnement. Donc on a mis tous les dispositifs et les procédures pour essayer de protéger l'être humain et les installations par rapport surtout à la cybersécurité. Donc on a fait des formations accélérées pour le personnel. Au cœur de ces centres de traitement de gaz, c'est une salle qui est dédiée au suivi de chaque étape de la production, des schémas, des représentations de puits, de pipelines avec des chiffres, un exemple des systèmes qui ont besoin d'un contrôle en continu. Ahmed Benaou, superviseur au centre de contrôle ISG Khreshba. Il y a pas mal de schémas, pas mal de process ici, pas mal d'équipements. Effectivement, c'est vrai, puisque ce traitement-là nécessite le contrôle continu via la salle de contrôle centrale ici à Khreshba, qui utilise actuellement des systèmes de contrôle très efficaces et très performants, à savoir le système de Yokogawa, afin de veiller sur la bonne marche des installations et de conditionner la production. Des systèmes de contrôle qui reposent principalement sur les infrastructures modernes et collectées, pour soit suivre toute la chaîne de production et de traitement de gaz, de forage de puits, soit pour fluidifier la communication et la coordination entre les différents services, afin de maintenir une production constante et assurer la sécurité énergétique du pays. Et l'autorité de régulation des hydrocarbures, elle, s'attelle à mettre à niveau, à mettre en norme la sécurité de nos installations hydrocarbures. L'opération avance grandement, affirmé aujourd'hui à Rachid Meddil, le président de l'autorité de régulation des hydrocarbures, invité du forum de la chaîne 3 avec Nahla Bekralas. Il faut faire la distinction entre deux types d'installations. Il y a les installations qui sont nées avant 2005 et il y a les installations qui sont nées après 2005. C'était la création de l'ARH. À partir de 2005, toutes les études de danger, toutes les études étaient effectuées et étaient approuvées
par l'ARH. Par contre, celle d'avant, là, nous avons un programme de mise en conformité de toutes ces installations. Et nous sommes en train, l'ARH est en train de suivre l'aspect, bien sûr, HSE et l'aspect règlement technique aussi. Là, nous sommes en train de les mettre aux normes. Une bonne partie est terminée, très grande partie est terminée. On a commencé par les grandes installations, là où le danger est plus important. Donc, je pense que le programme est très bien suivi. On avance vraiment, disons, à pas de géant aujourd'hui. Le secteur des hydrocarbures à l'heure de la célébration de sa nationalisation, ça sera le 24 février, date également d'un autre anniversaire, celui de la création de la centrale syndicale, l'UGTA. Mise en échec de tentatives d'introduction via les frontières avec le Maroc, d'immenses quantités de drogue ont été saisies, 15 quintaux de kif traités, plus de 59 kg de cocaïne par les détachements de l'ANP. La semaine écoulée, le bilan hebdomadaire communiqué aujourd'hui par le ministère de la Défense nationale. Direction Gaza, à présent, où le génocide sioniste se poursuit au lendemain du veto américain sur la résolution algérienne pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. L'Algérie, qui ne cesse de réitérer sa détermination inépuisable à poursuivre ses démarches au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, comme relevé d'ailleurs par l'ambassadeur d'Algérie au Conseil de sécurité, pour le pousser justement à assumer entièrement ses responsabilités. Plusieurs pays, organisations régionales et internationales à l'image de la Ligue arabe ou encore le Parlement arabe disent regretter ce vote qui maintient en marche la machine de guerre sioniste. L'argument américain de nécessité de lutter contre le mouvement de résistance Hamas ne tient pas, selon l'expert libanais en question militaire, Ali Hamia. Il en parle à Kalim Abnour. La tension augmente dans la région et derrière cette escalade, il y a les Américains. Et la preuve, c'est le veto opposé hier au Conseil de sécurité contre la proposition de l'Algérie pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Cela veut dire que Hamas fait partie maintenant des grandes équations mondiales. Si les Américains utilisent maintenant le veto contre l'arrêt de la guerre à Gaza, c'est pour faire pression contre le mouvement de résistance Hamas qui ne va en aucun cas accepter les accords d'échange de prisonniers élaborés par les Américains qui tentent à travers quelques pays qui ont normalisé avec l'entité sioniste d'imposer à Hamas les conditions de l'occupant sioniste. Le mouvement de résistance Hamas qui continue pour sa part à prendre part aux négociations au Caire pour faire taire les armes. La pression exercée par l'entité sioniste ne changera pas les impératifs relevés par Youssef Hamdan, son représentant à Alger. Toutes les atrocités commises par l'occupation dans la bande de Gaza, c'est le peuple palestinien qui en est la victime principale. L'occupation pense ainsi faire pression sur le Hamas, mais le Hamas émane du peuple palestinien et ses revendications sont celles du peuple, à savoir libérer sa terre et ses symboles des affres du colonialisme. Le Hamas agit de ce fait avec un grand sens de la responsabilité. Nos représentants sont actuellement au Caire pour discuter avec la médiation des moyens d'obtenir une trêve, ouvrir les passages pour permettre l'entrée des aides humanitaires dans la bande de Gaza et lancer l'opération d'échange des prisonniers de guerre des deux côtés. La politique sioniste de décimation des plus de 2 millions de Gazaouis ne compte pas que sur les armes et autres bombardements, mais aussi sur sa volonté d'affamer la population. Le programme alimentaire mondial a même tiré la sonnette d'alarme aujourd'hui. La famine qui prend des proportions alarmantes dans le nord et dans le centre précisément, et avec plus d'ampleur. Elle avance toutefois dans le sud de la bande. Smaïl Touabta est porte-parole du gouvernement à Gaza, joint par Kalima. La famine gagne de jour en jour les gouvernorats de la bande de Gaza où survivent plus de 2 millions de personnes. Cette famine affecte en particulier les gouvernorats du nord et du centre où on assiste à une véritable catastrophe humanitaire dont sont victimes plus de 700 000 Gazaouis qui sont restés dans ces zones. On a compris que l'occupation a entamé sa politique d'affamer et assoiffer la population, notamment les femmes et les enfants qui sont les plus fragiles, et cela à travers tous les gouvernorats de la bande de Gaza. Dans ce contexte, Smaïl Touabta lance un appel urgent, se joignant ainsi à celui du programme alimentaire mondial.
Nous demandons la levée du blocus pour permettre l'entrée de 10 000 camions dans les deux jours qui viennent. Cette demande est urgente pour éviter une catastrophe humanitaire, en particulier dans les gouvernorats de Gaza et du Nord. Les États-Unis, l'occupation et la communauté internationale sont responsables de cette famine. Entre-temps, les bombardements et raids se poursuivent, notamment sur Khan Younes, mais aussi sur Rafah. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a qualifié d'épouvantable la situation à l'hôpital Nasr de Khan Younes, au sud de la bande. Autrefois un lieu de guérison, il est désormais devenu un lieu de mort, comme qualifié par OCHA. Retour à l'actualité nationale pour parler de ces nouveaux tarifs pour les transports de voyageurs par voie ferrée fixés en vertu d'un décret exécutif paru au journal officiel le dernier en date. Les tarifs au kilomètre pour le calcul des trajets de l'ensemble des lignes et dessertes ferroviaires calculées. Cette publication ne signifie pas changement dans les tarifs, a précisé le directeur de clientèle à la SNCF, Farid Halish. Le décret publié au journal officiel numéro 10 du 11 février 2024 se veut être un cadre réglementaire aux tarifs de transport voyageurs qui sont actuellement en vigueur et qui n'ont bénéficié auparavant d'aucune publication officielle. Donc il y a lieu de noter que la promulgation de ce décret ne sous-entend aucune augmentation des tarifs et que le tarif de la SNCF reste inchangé. Et puis parlons de tourisme saharien. L'hiver, vous le savez, c'est la saison propice pour ce faire. Certaines régions enregistrent des bons en la matière. Le cas d'Adrar zoome ce soir sur cette wilaya à travers le Salon international du tourisme qui se déroule à Oran et cette correspondance de Mohamed Hamza Belmadani. La wilaya d'Adrar enregistre une véritable expansion dans l'activité touristique. De plus en plus de visiteurs se rendent à cette région, comme l'explique Amir Akerma, directeur de l'hôtel Tuet Adrar, rencontré en marge du Salon international du tourisme, voyage, transport et équipement hôtelier qui se tient actuellement à Oran. À partir de cette année, nous avons constaté qu'il y a une nette évolution sur le plan touristique, tant sur le plan des arrivées, en nombre d'arrivées de clients, national, voire même international. Il y a énormément événements qui sont en train de se faire pendant la saison saharienne et on constate d'année en année une augmentation claire en nombre d'arrivées ou en chiffre d'affaires. Il y a une activité claire qui existe. Nous, en tant qu'établissement hôtelier aussi, on essaye de mettre en place diverses activités touristiques et on essaie aussi de participer au développement de certains pôles touristiques dans la wilaya d'Adrar. Donc il y a 3 ou 4 régions auxquelles on essaye de travailler avec les autorités pour essayer de les mettre en avant et afin qu'elles deviennent des destinations claires touristiques. Amir Akerma a qualifié la wilaya d'Adrar d'une véritable nouveauté dans le secteur du tourisme dans le sud algérien. Elle dispose de beaucoup de potentiel et beaucoup d'investisseurs s'installent dans la région. Doron Mohamed Hamza Belmadani, Alger, Chan 3. Place au sport à présent, l'actualité avec vous, Sid Ahmed Fethi, bonsoir. Bonsoir Sofiane. D'abord, c'est 32e de finale de Dame Coupe, le match en retard, Jeskabili CRB fixé. Et ça sera pour le mardi 5 mars prochain à 18h au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la Fédération algérienne de football. Le vainqueur de ce chaud duel entre deux grosses cylindrées de Ligue 1 défiera en 16e de finale l'AS Rolob sociétaire du groupe 113 de la Ligue 2 amateur. Le match n'avait pas pu se jouer en même temps que les autres 32e de finale en raison de la participation du CRB à la Ligue des champions africaine de football. En attendant de connaître l'heure aux élus entre les Canaries et les Bilous Zedi pour pouvoir désigner la date et l'horaire du duel suivant contre l'AS Rolob. Les autres 16e de finale sont déjà programmés pour les 7, 8 et 9 mars prochains. Je rappelle que le CRB est arrivé à Dar es Salaam pour disputer samedi prochain son match de Ligue des Champions, la 5e journée. Ça sera face aux Youngs Africains de Tanzanie, dans un groupe où le CRB est à la 2e place, tout comme leur adversaire, les Tanzaniens, avec 5 points derrière El Ahly, premier du groupe avec 6 points, et Madema du Ghana qui compte 4 points, un groupe serré où les places pour les quarts de finale se joueront jusqu'à la dernière journée. Et de la compétition africaine à la compétition européenne, la Champions League européenne, et c'est deux belles affiches ce soir. Et notamment Naples FC Barcelone, le champion d'Italie emmené par le Nigérian Victor Osimhen, meilleur joueur africain, essaiera de battre le FC Barcelone à domicile lors de ses 8e de finale pour assurer d'ores et déjà une qualification, pour mettre un pied plutôt en quart de finale. En quart de finale, oui. Parce qu'entre les quarts de finale de la Ligue des champions africains, je m'en mêle les pinceaux.
Tommaso, en quart de finale de cette Ligue des Champions européenne. Le FC Barcelone, qui n'allait pas très bien ces dernières semaines, semble avoir repris du poil de la bête sous la houlette de Xavi, qui a annoncé son départ il y a quelques jours de cela à la fin de la saison, emmené par un Robert Lewandowski buteur lors de la dernière journée à deux reprises face au Celta Vigo, qui a ramené les 3 points donc pour le FC Barcelone. Les Blaugrana essaieront eux aussi d'aller chercher une victoire ce soir pour s'assurer une place en quart de finale avant le match retour qui se jouera dans 3 semaines. Je rappelle que pour le FC Barcelone, c'est un 8e de finale qui n'est plus arrivé depuis 2 saisons, puisqu'ils ont raté les 2 dernières éditions. Le 2e tour, ils avaient été éliminés, ils avaient été reversés en Europa League. Rappelez-vous, ils avaient été éliminés également. Une autre équipe qui n'a pas vu ce stade de la compétition depuis longtemps, c'est Arsenal, qui jouera face au FC Porto ce soir. Ça sera au Dragon Stadium de Porto au Portugal. Les hommes d'Arteta, eux aussi, essaieront de faire un bon résultat dès ce soir avant le match retour. Je rappelle également, hier, 2 matchs se sont joués. Victoire de l'Inter face à l'Atlético de Madrid, 1-0. Et le PSV Eindhoven et Borussia Dortmund se sont séparés sur un match nul, 1-partout. Ça a été, on ne peut plus complet. Sid Ahmed Fatri, merci pour toutes ces informations sportives, les dernières de cette édition réalisée par Lila Wissi, Selma Feghir et Sid Litoubal.